le monde est un endroit étrange et surprenant. Parfois, nous sommes choqués par ce qui y arrive et nous nous demandons pourquoi certaines choses que l'on ne pensait pas pouvoir arriver arrivent, surtout pendant les grands jours. Janvière est la mère de 5 enfants. C'était une journée ensoleillée. Dans la matinée, nous étions allés lui rendre visite comme d'habitude. Nous voulions qu'elle nous raconte son histoire de vie où elle a été abandonnée par son mari, mais quelque chose d'autre s'est passé. Cette femme a été appelée au téléphone par quelqu'un qui lui a dit que son mari qui l'a abandonnée il y a quelques années était sur le point de se marier avec une autre femme. Les amis, avant de poursuivre cette histoire, voici la question du jour. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? A. 365. B. 366. C. 364. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Son mari l'avait laissé avec 5 enfants et il est parti dans un endroit où personne ne connaît. Après avoir entendu une nouvelle aussi déchirante, elle a quitté le champ où elle cultivait pour aller chercher ses enfants afin d'aller ruiner ce mariage. Elle ne pouvait pas comprendre comment un homme peut-il laisser sa femme avec ses enfants et aller se marier avec une autre. Après avoir obtenu toutes les informations, nous avons envoyé notre équipe pour filmer ce qu'il se passait de l'autre côté. Tout était en préparation. Le mari et la mariée venaient juste d'arriver. Il ne restait que quelques minutes avant qu'ils n'entrent dans l'église. Janvière nous a dit de l'accompagner en tant que média et de filmer puis de publier son histoire. À cause de la pandémie, les responsables de l'église ont dû s'assurer que chaque fidèle qui entre dans l'église ait un test comme moyen de freiner la propagation du virus. Les jours de mariage sont censés marquer le début d'une nouvelle vie heureuse et de partage pour les couples mariés. Comme le jour du mariage comprend souvent à la fois une grande fête et des célébrations, c'est rare et surprenant qu'il puisse y avoir quelque chose qui vienne gâcher une si grande fête. Et là, le plus beau jour de la vie de quelqu'un pourrait devenir le pire et le plus inoubliable. D'une manière surprenante, la mère des 5 enfants a eu l'audace d'entrer dans l'église et a fait quelque chose que la plupart d'entre nous allons voir pour la toute première fois, réellement. C'était quelque chose qui allait rendre toute l'assemblée sans voix. Elle ne pouvait pas laisser son mari se marier pour la deuxième fois car elle n'a jamais divorcé de lui. Enfin, elle est entrée dans l'église au moment où le pasteur était sur le point de déclarer les deux comme mari et femme. Elle s'est avancée, s'est tenue devant tout le monde et a exprimé son chagrin et sa peine. En essayant de l'arrêter, elle s'est mise à pleurer, expliquant aux gens que cet homme est son mari. Ils se sont mariés officiellement il y a quelques années en leur montrant les enfants qu'ils ont eus. Elle ne pouvait pas laisser son mari aller vers l'autre femme, encore qu'il n'a même pas réussi à subvenir aux besoins et à élever ses 5 enfants. Chaos dans l'église, les gens se demandent ce qu'il se passe. Les enfants pleurent, la mère se lamente. À ce moment-là, tout a été chamboulé. Le mari était choqué. Il pensait que la femme ne saurait rien de tout cela, mais il se mentait à lui-même. Après la protestation de l'épouse, il était clair qu'il y avait eu quelque chose qui n'allait pas. Les responsables de l'église ont alors immédiatement convoqué une réunion entre l'épouse, le mari et celle qui se préparait à être la nouvelle épouse. La réunion n'a pas duré car la femme est sortie en pleurant, disant qu'elle n'était pas satisfaite des décisions de la réunion. Elle a dit qu'elle ne voulait plus vivre avec son mari, mais qu'elle voulait les deux enfants qu'il avait pris avec lui.
Et son autre souhait était que son mari puisse s'occuper et être responsable de tous ses enfants. Après que Janvière n'ait pas été satisfaite de ce qui est sorti de la réunion, les agents de sécurité ont dû intervenir pour régler le différend. Ils ont dit au mari d'assumer toutes ses responsabilités ou s'assurer qu'il fasse ce qu'il est censé faire en tant qu'homme. Avec beaucoup de larmes, elle dit qu'elle ne peut pas comprendre comment son mari a pris ses deux enfants et les a envoyés chez leur grand-mère. Elle pense qu'ils ne sont pas là où ils sont censés être, pourtant ils ont leur mère. Pourquoi devraient-ils vivre comme des orphelins, se demande-t-elle. Quand elle était enceinte, son mari est parti et a amené avec lui deux des enfants qui sont jumeaux. Elle dit qu'elle a eu deux jumeaux deux fois de suite. Après avoir su que son mari allait se marier, elle a voulu lui poser deux questions. Numvaga nifuza ko duhura imyaka yose maze mushaka akampa abana banje. Nkamubaza abana nsigiye aho nzabarere. Yokuri nanjye kubamo ngira ngemba mwicu. Elle a du mal à subvenir aux besoins de ses enfants. Et puisqu'elle n'a personne pour garder ses jeunes enfants, si elle a besoin d'aller quelque part la plupart du temps, elle les enferme à la maison et dit que c'est une décision très risquée puisqu'elle ne peut pas empêcher à la première née d'aller à l'école pour s'occuper plus tard de ses petits frères. Elle dit que depuis que son mari est parti, la vie est difficile. En tant que mère, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour élever ses enfants. Après que les responsables de l'église eurent entendu l'histoire de cet homme et Janvière, le mariage a été annulé automatiquement. L'épouse a été invitée à se rendre auprès des autorités locales et même au tribunal afin de demander justice en espérant que les autorités locales résolvent ce problème. La mère dit qu'elle voulait avoir ses enfants et qu'elle n'était pas contente de la façon dont son mari est parti sans rien dire et à propos de ses deux enfants qu'il a enlevés et elle veut les récupérer. Le pasteur principal qui devait célébrer le mariage officiel a voulu nous parler. Il dit qu'après avoir entendu tout ce qu'a dit Janvière, il a dû arrêter le mariage jusqu'à ce que les conflits soient résolus et l'homme fera ce qu'il a à faire. Il ajoute qu'une enquête est en cours et que le mari pourrait être traduit en justice afin de répondre de ses actes. Comme le dit un vieil adage, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Aujourd'hui, cet homme devra répondre de ses actes devant la justice. Les amis, vous pouvez aider Janvière à élever ses enfants en contribuant via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de la vidéo. Les amis, nous sommes à la fin. La réponse à la question du jour était 366 jours. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.